Allô les franchises. Je suis partie, à la base je voulais aller à la boucherie à côté de chez moi juste en bas. Mais apparemment j'ai appris par la boulangère qu'ils ont fermé définitivement. Donc bah à la place je voulais prendre un poulet rôti parce qu'on est dimanche. Mais à la place bah j'ai pris des croissants. Voilà. Et des pains au chocolat. Voilà. Tu vas pas au chocolat Sephora? Oui. Avant tu vas en croissant? Oh oui. Ah du coup il est tout chaud. Tiens. Tu veux quel? Tu veux du pain? Oui. Pourtant avec tes doigts sales là tout à l'heure, t'as pris directement, hein. T'as attrapé directement le croissant. Avec ça, j'ai pris du pain. Bien. Croustillant. Tiens, Ron, comme tu veux du pain. Tiens, du pain. Croustillant. Avec ça, j'ai pris un tropico à la pomme, un coca chéri et un Minute Maid tropical, multifruits. Voilà. Et comme j'étais à la boulangerie et que bientôt bah, c'est le ramadan, ils ont sorti des pâtisseries comme ça là. Du coup, j'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est, je vais tester. Ça a l'air bon, j'en ai pris 4 pour commencer, on va voir si c'est bon. Il y avait plein d'autres choses, mais comme je connais pas encore, je préfère tester d'abord. Ça a l'air super bon celui-là, là. Regarde. Attends, je coupe un bout. Lâche un peu. Mon gars, j'ai dit un peu. Oh, ça. Ok. Oh. Ça fait vert, genre. Avec les bombes de... les selles de bain, là. Regarde la mousse. Mais en vrai, il est bien normal. Tu sais, c'est beau comme ça. Yeah. Ah. Yeah. Bon, bah, jouez bien, hein. Je m'en vais. Bye bye. Hello les Frenchies. Alors aujourd'hui je suis partie en ville à la base pour aller me chercher Starbucks comme vous m'avez demandé. Et finalement je me suis arrêtée dans la galerie Place Jean Jaurès chez le chinois. Ça faisait 6 ans, dis-toi bien 6 ans que je n'étais pas partie dans cette galerie là. Donc j'ai pris un parapluie parce que mon manteau n'a pas de capuche et que j'en ai marre de me prendre une saucée à chaque fois. Les enfants ça va, ils ont des capuches sur leur manteau. Mais moi franchement j'ai pas de capuche donc je me suis pris un qui a l'air quand même solide, c'était 12 euros. Regarde là. Voilà, c'était 12 euros. Là, il y en avait des moins chers mais qui m'avaient l'air moins solides parce que celui-là c'est bien lourd. Normalement on n'a pas le droit d'ouvrir les parapluies à l'intérieur mais je n'ai pas pu l'ouvrir. Parce qu'il y avait un antivol là-dessus qui bloquait tout. Du coup je pouvais pas appuyer sur le bouton pour l'ouvrir et pour regarder comment ça fait, si c'est assez grand ou pas. Donc bah, c'est assez grand et ça m'a l'air plutôt bien solide, hein. Mais bon, comme je l'ai pris chez le chinois, je m'attends pas à ce que ça reste beaucoup d'années vivantes, t'as vu. On va voir. Et je me suis rendu compte que à chaque fois pour ouvrir mes boîtes de conserve qui n'ont pas d'ouverture d'opercule, je suis obligée de prendre un couteau, genre comme au bled, comme je faisais avant. Genre je prends le gros couteau, je mets sur le coin, je tape avec ma main et après j'ouvre. Je me suis pris un ouvre-boîte basique. Il n'y en avait pas des roses, sinon j'en aurais pris un rose. Et c'était à 1,50€. Là, vous m'avez demandé de faire une vidéo Starbucks, donc bon, on va faire Starbucks. Alors ça, j'ai pris un cheese toasty. Comme ça, c'est un menu. Le menu était à 10,95€. Le menu... Dans le menu, il y a le sandwich, le dessert et la boisson. 10,95€. Donc là, un toasty 5 fromages. Là, j'ai pris un chicken and cheddar sandwich. Voilà. Donc bah, je vais faire avec Sephora tout à l'heure quand elle va rentrer de l'école parce qu'elle a insisté pour faire avec moi. Donc bah, je vais pas manger ça ce midi, je vais attendre qu'elle rentre. Alors, en dessert, là, nous avons le banana bread. Et ici, nous avons le carotte bread. Il est tout beau.
On va voir ce que ça donne, hein. Je les remets bien pour éviter que ça se casse. Voilà. J'ai pris... Ah, la dame, la fille là-bas qui m'a servi a été super gentille. Parce que j'ai pris des pailles comme ça, là. Alors, je voulais prendre deux pailles à la base. Ouais, je voulais prendre deux pailles à la base. C'était 1 euro la paille au chocolat, t'as vu. Je voulais prendre deux pailles. Et c'est des pailles en cookies qui se mangent, que tu mets dans ta boisson et que tu peux aspirer et tout. Sauf que, bah, les deux que j'avais sélectionnées, elles étaient cassées. Du coup, elle m'a dit, bah, je vous les offre. Voilà. Alors, elle en a pris d'autres elle-même dans le truc. Et elle s'est rendue compte que ceux qu'elle avait pris, c'était cassé. Donc, elle m'a dit, bah, je vous offre aussi ceux-là. Et je vous fais payer qu'un seul. Donc, au final, j'en ai 5 pour 1 euro. Franchement, elle est super. Je vais pas dire c'est quoi son nom, je vais pas vous dire où c'est parce que bah j'ai pas envie qu'elle se fasse virer. Mais en tout cas, elle était super, franchement, super. Avec ça, comme je ne sais pas si je vais y retourner maintenant ou dans d'autres mois ou un truc comme ça, je me suis pris un gobelet réutilisable comme ça, là. Et c'était 3,50€. Donc voilà, avec le logo emblématique ici, hein. Et passons boisson. Alors pour Sephora ici, je lui ai pris. Je vais essayer d'ouvrir sans casser le truc. Waouh, waouh. Regarde ça. Et j'ai demandé sans glaçons parce que comme elle est encore à l'école et qu'elle veut absolument faire avec moi, avec les glaçons ça va fondre complètement partout. Donc voilà, c'est super beau, ça a l'air super bon. Elle va boire ça tout à l'heure. Avec mon prénom écrit ici, je me suis pris un Vanilla latte. Je vais vous montrer. Oh, j'avais demandé sans glaçon, mais c'est pas grave. Et au final, ça m'a fait, parce que j'ai pris un gobelet en plus et que j'ai pris des pailles, ça m'a fait 24,50€. Donc voilà, ça va. Le menu 10,95€, j'ai pris deux menus, donc ça va franchement. Et je pensais que ça allait être plus cher que ça, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas partie et que tout le monde se plaint sur internet que ça coûte une blinde, ça coûte un bras. Bah finalement, ça va. Je m'attendais à plus cher que ça et franchement, bah... La prochaine fois, j'irai avec les enfants, on se posera là-bas et puis on prendra ceux avec la plein de chantilly dessus, là, et tout ça. Pourquoi je prends de moins en moins ma voiture? T'as vu ça, là? Embouteillage. Oui, ceci est un embouteillage. Exactement. Il n'y a pas de feu au bout. C'est un putain d'embouteillage. Ah, Seigneur. Regarde ça. Et jusqu'où ça va, cet embouteillage-là? Regarde ça. Là-bas. Voilà pourquoi je prends de moins en moins ma voiture. Quand il fait beau, je ne prends pas ma voiture. Parce que j'ai pas envie de gaspiller mon essence dans un embouteillage. Surtout qu'il y a embouteillage le matin, embouteillage le soir. Wesh, la voiture, elle est rentrée dans les fesses de l'autre, là. Lui aussi, pourquoi il s'est arrêté d'un coup, là? Hoi. T'as l'Audi, là, l'Audi Break, là, qui a failli rentrer dans la Citroën noire, la petite Citroën noire en bas, là. Regarde, il s'approche encore. Regarde, là. Pourquoi tu colles ses fesses comme ça, là? Regarde-moi ça. Juste ici, là, eux, là. Les deux, là. Depuis tout à l'heure, l'Audi n'arrête pas de faire ça. On va voir s'il va encore avancer. Est-ce qu'il va encore freiner juste au ras des fesses de là, 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 là. Là, là, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, pour une fois, t'as bien fait. Alors, d'abord, on a le pont. On regarde bien nos mains. On écarte un peu les jambes pour s'aider. Nice. Ah. T'as flippé. Vas-y, fais un poirier. Un tout petit poirier. Okay. Alors, je vous donne un petit conseil. Si vous êtes droitier ou gaucher, si vous êtes gaucher, vous mettez le pied gauche en arrière et le pied droit en avant. Et si vous êtes droitier, pied gauche en avant et pied droit en arrière. Ok. Moi, comme je suis droitière, je fais pied droit en arrière. Ok. Nice. Aaron, qu'est-ce que tu fais, toi? Bon, bah maintenant que t'as terminé, tu me remets mes tables en place, s'il te plaît? Non. Ok. Hello, les Frenchies. Alors, aujourd'hui, je suis partie faire 2-3 petites courses. J'ai pris des citrons, c'était pas cher, c'était 99 centimes, là, t'as vu. Des citrons, des piques à brochettes, un poivron vert. Ouais, c'était 1,21€ le poivron, genre. C'était 6€ le kilo, j'étais en mode, what the fuck? Un poivron rouge, essaye de deviner ce que je vais faire avec. Un pot de fromage blanc, tout ça c'est la même chose, hein. C'est le même mukbang. Des filets de poulet comme ça, avec ça, deux petites bouteilles de smoothie comme ça, fruits de la passion, mangue, enfin c'est exotique quoi.
feu de la passion, mangue. Ouais, c'est ça. Alors, comme mukbang, j'ai prévu de faire des brochettes avec poivron rouge, poivron vert, poulet mariné que je vais mariner bien sûr, des oignons que je vais bien piquer sur les brochettes. En sauce d'accompagnement, je vais sur les brochettes, je vais verser un petit peu de citron. Je vais écraser un petit peu de citron. Et en sauce en accompagnement, je vais faire fromage blanc, ciboulette, sauce comme ça de jus de citron, sel, poivre. Yaourt à boire comme ça pour les enfants. Parce qu'ils n'ont plus de yaourt à boire. Enfin, ils n'ont plus du tout de yaourt. Donc voilà, c'est en attendant de faire les grosses courses. Des pilons de poulet comme ça. Parce que je vais faire le mukbang, un autre mukbang un autre jour, bien sûr. De la tomate en boîte. Et vous allez voir ce que ça va donner. Je vais faire un riz rouge. Ou un riz, je ne sais pas encore. Peut-être un riz à l'haricot rouge, tiens. Vous verrez. J'ai pris des Sunny Delight. J'en ai pris 3 parce que je pense qu'Aaron voudra faire une vidéo avec nous. Pour l'autre, je ne pense pas qu'il va vouloir faire parce que bah, c'est avec des brochettes de poivron et tout ça. Il n'aime pas ça. Par contre, pour celui-là, comme c'est des cuisses de poulet, il va vouloir faire, je pense. Et un petit plaisir pour moi, un coca. De la ciboulette.
Non, je suis en train de vider les brochettes. Parce que tout à l'heure, on va faire la vidéo. Bon, le riz est en train de cuire. Ça, c'est frais. Je viens de me rendre compte qu'il est possible de commander sur Auchan et de se faire livrer le jour même. Donc pour tout ce qui est nourriture, j'en ai eu pour 263 €. Pour être livré chez moi, j'ai commandé là, il est midi 9. Voilà, il est midi 9. Je serai livré entre 18h et 20h ce soir. Alors les courses nourriture, j'en ai eu pour 263,13 €. Et... attends, je fais descendre ça parce que je veux pas qu'on voit mon adresse en bas. Et en tout, avec un autre chose qui n'est pas de Auchan, mais qui est partenaire d'Auchan, du coup, qui c'est sur leur site. Au total, j'en ai eu pour 275,11 €. Alors, quand tu fais des courses sur Auchan et que tu payes pour plus de 150 €, t'as que 5 € de frais de livraison. Donc voilà, je serai livrée jeudi aujourd'hui. Alors que c'est aujourd'hui que j'ai passé commande, regarde, 23-03-2023, et je serai livré aujourd'hui, 23-03-2023, entre 18h et 20h. Et j'accepte d'être livré jusqu'à 1h avant 18h, quoi, genre à 17h. S'il arrive avant, bah c'est bon. Donc voilà, j'ai plus besoin de me prendre la tête à aller au supermarché, l'hypermarché, tout ce que tu veux. Je n'ai plus besoin de me prendre la tête avec ça, je peux directement commander là. Le panier est enregistré, donc c'est-à-dire que le mois prochain, si je veux recommander la même chose, j'ai juste à cliquer, remettre le même panier, puis après je sélectionne ce que je veux commander en plus, quoi. J'ai eu du mal à m'endormir. Comme j'ai eu du mal à m'endormir, bah, j'ai allumé mon boîtier et j'ai regardé Jennifer's Body parce que j'avais envie de regarder Megan Sexy Fox et que je la kiffe dans ce film. Je sais pas pourquoi les gens disent que ce film c'est un flop. Et qui n'a pas fonctionné. Je pense qu'à cette époque-là, c'était trop tôt. Elle était trop en avance. Ils étaient trop en avance sur leur temps. Parce que si une histoire sort comme ça, en ce moment, avec une femme qui a un démon dans son corps et qui, pour rester jeune et belle, est obligée de manger des hommes, je pense que ça fonctionnerait crème. Voilà. Moi, j'ai bien aimé Jennifer's Body. Parce que je kiffe Megan Sexy Fox et Amanda Seyfried. Elle est super canon cette go là aussi. Bon, il y a quoi là-dedans là? Qu'est-ce qu'il dit Niv? Ah, on dirait un sans-papier, un sans-abri. Niv, on dirait un sans-abri là à la télé. Il a la barbe, la moustache, tout qui est dans tous les sens, qui n'est pas bien brossé, qui n'est pas bien taillé. Ah. Voyons voir ça. Regarde ça. Même toi-même aussi, ma soeur. 3 ans, tu parles à quelqu'un que tu l'as jamais vu. Et t'as mangé lui, t'en coupes avec. Va là-bas. Dans le catfish, la go. C'est même pas un mec. C'est qui elle? La go, ça fait 3 ans dans le catfish. Elle est en couple avec quelqu'un sur le net, mais elle a jamais parlé avec au téléphone et elle a jamais fait de visio. Hello les Frenchies, aujourd'hui je ne suis pas partie faire les courses, je me suis fait livrer directement sur Auchan et bah, ils m'ont livré là à 17h. Du coup, bah, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris là. Il y a tout ça, je vais vous montrer un par un ce que j'ai acheté. Des yaourts à boire comme ça. Ah, c'est un yaourt à boire ça. Un pack de lait. Un deuxième pack de lait. J'ai pris 4 paquets de
de biscuits tout au chocolat comme ça parce que Aaron et ses parents kiffent ça. Voilà. J'ai pris un paquet lot de granola comme ça. Un paquet de Doritos à manger le soir. Comme c'est bientôt le week-end, on va manger devant la télé, devant Netflix. Il manque 4 bouteilles de ça. J'ai jeté sur la tête d'Aaron. Si je me souviens bien, 4 bouteilles de jus de pomme et 3 ou 4 bouteilles de jus d'orange. Là. Avec ça, j'ai pris des jus de raisin. Là, comme ça. Normalement, j'en ai pris 3 ou 4 aussi. Je sais pas où ils sont. Enlève ça de ta tête, Aaron. Là, comme ça. Des jus de raisin noir. Comme ça. Avec ça, j'ai pris des yaourts. Comme ça. Maxi comme ça, je crois que j'ai pris 3 paquets de Kinder Maxi King comme ça là, que je regarde bien, ouais j'ai pris 4 paquets, j'en ai pris 4, parce qu'ils adorent ça, genre il y en a 3 dans chaque paquet, voilà, pour moi je me suis pris 2 paquets de tiramisu, comme ça là, aussi 2 paquets de d'îles flottantes, genre comme ça là, des îles flottantes. Sephora et Aaron, ils adorent ça. J'ai pris 3 paquets. J'ai pris 3 paquets comme ça, là. Voilà. Tu m'appelles? Tu veux? D'accord, tiens, juste un. T'as vu, à peine ça arrivait, à peine il est arrivé, il en veut déjà. Tiens. Le pancake? Vas-y, mange. J'ai pris un pot de Nutella comme ça, j'ai pas pris le gros format de 1 kg. Bah quand même ça va, hein. Celui-là c'était combien? C'était 600 grammes. J'ai pas pris celui de 1 kg, vous allez voir pourquoi. Wow. J'ai pris un lot de sardines comme ça, la sardine à l'huile de tournesol. Parce que ça c'est super bon avec du piment, du riz simple. C'est super bon. Parce que ça va être le week-end. Donc bah... on va faire soirée ciné. Voilà, les enfants ils kiffent ça. J'ai pris du pain de mie comme ça, sans croûte, pour faire des sandwichs. J'ai pris des pop-corns comme ça, salés. Je sais pas pourquoi, une boîte d'haricots verts alors que j'ai encore 2 boîtes comme ça là, dans l'arrière-cuisine. J'ai pris des palets bretons. Ah bon? Ah bon? Ben, j'ai pris 3 boîtes de palets bretons, je sais même pas pourquoi. Il n'y a que moi qui aime ça ici. Aaron et Sephora, ils en mangent vite fait, t'as vu? Avec ça, j'ai pris des petites barres de céréales comme ça à la pomme parce que je kiffe ça et que bah, j'avais envie d'en manger. Donc voilà, des petites barres de céréales comme ça à la pomme. T'as moi ça. J'ai pris des Oreos comme ça, là. Des noirs. Aaron, c'est quoi ça? Oreo. Un noir. Oreo. Tu sais le dire maintenant? T'as plus du noir. Ouais. Je me suis pris des napolitains comme ça, là. C'est super bon, c'est mon petit gâteau préféré. Ah ouais. Des petits biscuits Nutella comme ça parce que les enfants ils adorent ça. Du thé à la menthe. J'ai pris mon gars les nouveaux Kinder qui viennent de sortir là. Les tronquis. Regarde-moi ça. Malheureusement, il n'y en a que 5 dans le paquet. Et quand on commande en ligne, on a le droit de prendre qu'un seul paquet par chariot. Donc voilà. Ah, on va goûter ça. J'ai pris d'autres yaourts à boire encore. Là, un paquet de velouté Frix. Ouais. J'ai pris 2 paquets de lardons comme ça, là, ça dépanne. Les soirs où j'ai pas envie de faire à manger, pâte, lardon, fromage, basta. Peut-être comme ça, là. J'ai pris un paquet de saucissons secs comme ça, là, parce que j'avais envie de manger du saucisson sec au moment où j'étais en train de faire les courses. Je sais pas pourquoi. Ça ne change pas. J'ai pris un maxi paquet de cordon bleu comme ça, parce que les enfants ils aiment ça et puis bah, ça dépanne, hein, franchement. C'est même pas un cordon bleu, c'est des maxi panés de dinde. Donc il n'y a pas le fromage dedans. En plus, Aaron, il aime pas le fromage qui dégouline. Oh, c'est balèze, hein. C'est écrit maxi format, mais je pensais pas que ça allait être gros comme ça. J'ai pris ça, et du coup, bah, j'en ai pris 2. J'ai pris 2. Ouais, c'est pour le petit-déj. On a encore tout ce qu'il faut comme céréales. Des chipsières comme ça. J'ai pris 3 paquets, parce que je sais que Aaron et Sephora, ils adorent ça. Donc voilà, 3 paquets pour mes bébés. J'ai pris de la mozzarella, une boule de mozzarella comme ça là. Ça, mon gars,
ça là, quand je ouvre, quand j'ouvre ça là, toute la boule là, je la mange seule, sec. J'ai pris un gros pack de fromage râpé. J'ai pris du bacon. Du Bordeaux Chenel. La dernière fois, j'ai testé le Bordeaux Chenel au piment. Franchement, ne prenez pas le Bordeaux Chenel au piment parce qu'il est nul. Il ne pique pas. Donc, j'ai pris celui-là. Il n'y avait pas le gros format en ligne quand on fait ses courses. Du coup, j'ai pris le petit format. Ensuite, j'ai pris deux paquets de blanc de poulet. Il y en a 8 tranches dedans, 8 tranches dedans. Pour faire les sandwichs. Ah, le deuxième truc de mozzarella, là. Avec ça, pour faire les sandwichs, j'ai pris du fromage Léa Damer comme ça. J'ai pris des saucisses pour mes enfants. En veux-tu, en voilà. Ils kiffent les saucisses. J'ai pris des saucisses. Là. Regarde. J'ai pris 3 paquets de saucisses. Ça en fait 30 en tout. Vous aimez les saucisses? Même pas, j'ai pris 4. Regarde, le quatrième, il est là. J'ai pris du beurre, demi-sel parce que j'en ai plus. Du boursin, comme ça. Du fromage à l'ail et fines herbes, c'est super bon. Et pour les enfants, je leur ai pris de la vache qui rit. Qui rit, qui rit, qui rit. J'ai pris des penne rigatée. Là, j'ai pris un seul paquet parce que je sais que j'en ai encore d'autres dans l'arrière-cuisine. J'ai pris du cassoulet parce que bah, Aaron, avec sa tronche là, il aime ce genre de conneries là. T'as des jours où il veut rien manger, il veut juste du cassoulet ou des saucisses lentilles. Oui, bah oui, ça je vois que tu aimes ça. Et j'ai pris un paquet de tortilles. J'en ai pris qu'un seul parce que j'ai encore plein de pâtes derrière là-bas du mois dernier. On n'a pratiquement pas touché aux pâtes parce qu'on est plus riz nous. J'ai pris du pain comme ça, du au blé complet, pour pouvoir faire les sandwichs. T'as vu? Ça permet de faire les sandwichs. Mon gars, j'avais pris 3 paquets de ça. Ah, il est écrasé lui. C'est pas grave, mais j'avais pris 3 paquets, genre. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Ah, mets au frais tout ce qui se met au frais. Tiens. Alors, j'ai pris des birédis comme ça pour les enfants parce qu'ils en ont plus. Ah, j'ai pris ça pour mettre dans le truc d'Aaron parce que des fois, en semaine, on n'a pas le temps de manger des céréales et tout ça. Du coup, ça, je mets vite fait dans un verre. Je tourne, un peu de chocolat. Un peu de chocolat et voilà, basta. La confiture de fraises. Ensuite, ah mon gars, ça, j'ai vu tout le monde en parler sur TikTok en disant « Ouais, cette crème-là, elle est trop bonne, qu'on mange et tout, ça a le goût de la crème qui est dans les Kinder Bueno. » Mon gars, je l'ai acheté. Direct. Je vais goûter ça et je vous dirai ça vraiment, le goût de la crème qui est dans les Kinder Bueno. C'est de la pâte à tartiner, de la crème qui est dans les Kinder Bueno, Sephora. Ouais. J'ai pris des boîtes de thon pour faire des thons à la mayonnaise et aux œufs. Voilà. Une nouvelle litière pour mon chat. Des nouvelles croquettes pour mon chat. Maintenant que vous m'en avez parlé, je prends plus que ça maintenant. Hey, tu vois, j'avais bien pris 3 ou 4 paquets de machin. J'avais pris 4 bouteilles de jus de pomme et 4 bouteilles de jus d'orange. Elles sont là les autres boîtes, les autres bouteilles. Regarde. Voilà. J'ai pris une plaquette de 30 œufs frais. Voilà. Pour petit bat comme ça. Pour les enfants. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enfin retrouvé mon huile de ricin vierge de pharmacie. Là regarde, c'est celui-là que je prenais avant, 1 litre pour 15 €. C'est de l'huile pure. Ça vient de la pharmacie? Ouais, c'est de l'huile de pharmacie. Avant c'était 10 € cette bouteille-là de 1 litre. C'était 10 €. Et maintenant, c'est 15 €. Mais c'est pas grave parce que c'est toujours moins cher que sur les autres sites. Et on est sûr que c'est de l'huile vierge de ricin. C'est pas coupé avec quelque chose d'autre. Ça vient de pharmacie. Et il y en a beaucoup. Donc là, ça va nous faire facilement 5 ans. Ah,
Mm-hmm. Bah non. Bah si. On utilise au moins comme ça pour un cheveu. Non, n'importe quoi. T'as qu'écra, toi. Du coup, pour tous les cheveux, on utilise tout non, ça. Non, ça va nous faire facilement 5 ans. Donc on utilise ça, juste un peu de ça, comme ça. On utilise un peu par un peu. On n'en met pas tous les jours. Hein. Ça, c'est gras, super gras. On fait une fois par semaine, ça. On dort avec une fois par semaine. Genre on le met par exemple le samedi soir. Le dimanche après-midi ou soir, on fait le shampoing. Et voilà. Bon, on fait ça. Ben, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et c'est comme ça que les cheveux poussent. Regarde, moi mes cheveux. Ouais, t'as enlevé tes boules, ça fait bizarre là. Ouais, je sais. Regardez. Coucou Erwan. C'est une coiffure de top model. Tu manges quoi? Ça. C'est ça ta coiffure de top model? Tu peux tourner pour voir. Tu veux voir comment tu es? J'ai deux cornes comme maléfique. Tu veux te voir? Ah. Fais pas ça. Mais les gens là. Vite. Je viens d'arriver, que j'ai commandé hier sur Amazon. Du coup, je suis partie chercher le colis en bas. Amazon! Alors, pour commencer, j'ai racheté des filtres comme ça, là. C'était 12 euros pour mon aspirateur. Le filtre, il est vieux, il est complètement vieux, il est complètement HS. Du coup, j'ai racheté un lot de filtres à 12 euros. Le filtre est embêté. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me conseiller d'utiliser le B-Oil pour les taches, la façon, là. Tu vois, les taches, là. Pour les taches qui sont sur mon visage. Du coup, parce que j'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, je vais tester ça sur vos conseils et vos avis. Et je vous dirai si ça fonctionne bien ou pas. J'ai pris celui-là, du coup. Comme ça.